Mesdames, Messieurs, frères accès aux patriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et je dis, c'est mercredi 27 décembre, espérons nous t'es bien dormi. Et nous t'es passé une excellente nuit en bas protection. Et bon Dieu la vie, en cette heure, à toute notre Guinée. Merci Dieu, nous quoi pour informer nous. Et sous console, nous avons Marassa qui a viré bouton pour nous. Et toute équipe là déjà mobilisée, nous porter pour quelques parmi nouvelles qui a dominé l'actualité. Nous parlons d'un pays, la France. Nous avons commencé et édition nouvelle ça, ensemble avec un drame qui passait dans le pays, la France. C'est 5 membres, 5 haïtiens dans une seule famille qui perdit la vie. Et c'est papa famille, hein, mari d'Amna qui a assassiné madame ni avec 4 petites lits. Et c'est procureur et de la République, Jean-Baptiste Bladier, c'est lui-même qui baille information. Hein. Eh bien, jeune garçon, ça, assassin qui gagne 33 l'année. D'après ça, et autorité au fait qu'on aime, c'est qu'il y a un problème mental, c'est qu'il y a un trouble mental. C'est lui-même qui assassine famille. Eh bien, gagne et plus grand famille hein, qui gagne 10 l'année, ensemble avec deuxième qui gagne 7 l'année. C'est avec gros coup de couteau que monsieur assassiné des premiers Timoun Sayo. Et bien, et l'autre de eux, ça gagne 4 ans ensemble avec 9 mois. Et bien, t'as semblé, c'est tout fait que monsieur tout fait, ou du moins l'État noyé. D'après ça, autorité dans le pays, la France, même, il fait qu'on est. Et bien, jeune garçon, ça qui gagne et 33 l'année. Et bien, la police déjà arrêté. Et d'après ça, procureur de la République, là, lui-même, il fait qu'on est. Monsieur, il y a une possibilité, il y a deux possibilités. Soit il passe toute ville, toute reste ville dans la prison. Et si on a déterminé que trouble mental que lui-même ligué, hein, parce que dans l'année 2017, monsieur était marqué touillé et dame nan, en bas coup de couteau, et c'est là ça a été venu que monsieur était un problème dans la tête, et ça fait, et il n'a pas continué ensemble avec le procès, a été libéré pour le prendre soin et médical, et bien en 2023, et bien monsieur est arrivé à assassiner madame nan avec 4 petites lignes. Nous parlons de chance de gagner plus de détails d'information, ça nous parle venir ensemble avec Blaise qui parle de plus de détails. Mais, et gagné dossier assassinat Jovenel Moïse là, eh bien, semblait, et blanc américain, communauté internationale là, a plavé Ariel Henry. Nous connaissons Ariel Henry, lui inculpé dans le dossier la mort et Jovenel Moïse. Eh bien, et subitement, nous tendait, et gagné, et un conseil des ministres qui était fait, il fait qu'on ait, il bail autorisation pour juge Walter Weiser, Voltaire, étendait, et premier ministre là. Eh bien, mesdames et messieurs, et yon coup surprise que nèg yo ban nou, eh bien, c'est la caille Ariel Henry, juge la talé, l'alchita, devant bureau Ariel Henry pour le capable tendre. Et c'est ça, c'est information, ça a passé mardi à personne moun pa konnen, yo fèl en cachette, yo fèl en katimini pour personne moun pa konnen, c'est hier, et que ou tende, hier mardi, hein, et que ou tende, et primati mette en note dehors pour faire connaître que juge Walter Weiser Voltaire t'étendait et Ariel Henry sous dossier là moi Jovenel Moïse là et ça Jean que m'te dit depuis même les mots et nouvelles là t'est tombé m'te dit c'est la veille yo pas laver Ariel Henry dans dossier et nous connaît Ariel Henry c'est petit garçon blanc américain c'est petit garçon communauté internationale là et c'est eux même qui kembe Ariel Henry sous pouvoir et mais yo pas laver Ariel Henry clean parce que nous pas connaît qui deal Ariel Henry fait ensemble avec nèg sa yo. Parce que le pays a même li déjà fin vann, peuple haïtien t'assemble pour qu'on rende compte que le pays d'Haïti déjà vann. Et les nouveaux négios a ouvert pays ou tel pays a ouvert porte, c'est une façon pour capable diminuer la quantité haïtienne qui dans le pays pour capable rentrer pour venir pour affaire. Parce que le pays a déjà vann depuis bien longtemps, le pays a déjà fin vann. On l'a ou apprêté comme ça ou même haïtien pour tourner en Haïti, et bien on a besoin de passeport, on a besoin de visa pour rentrer dans le propre pays ou parce que un pays a déjà fait 20, c'est rete qui rete pour être capable et remettre pays à ces raisons. C'est ça qui fait noir et phénomène insécurité à bandit, à valet terrain, zam à sortir tribord et babord, et bien capable d'entrer dans le pays pour capable venir touiller et petite et terre et d'Haïti. Bien avant nous venir ensemble avec détails
Et bon, on finit ensemble avec détails sur le mois. Dans l'autre vidéo, je vais parler de un drame qui passait en République Dominicaine tout et dans la semaine qui s'est passée. On a le temps de blaise sous dossier et famille ça qui perdit la vie dans la ville la France, dans la ville Paris. Et que ça lui-même lui passé côté. Yon papa touye madame ni avec quatre petites li. On a le connecté ensemble avec et Blaise. On a allé dans le pays la France, sans amis auditeurs avec Crimsa, une femme haïtienne avec quatre petites lits, autorités policières rejoignent qui mourit dans un appartement, yoteye, ben papa Timounio, yo présenté comme un suspect Zaxila, li déjà en bas, la police en bas tout détail sous dossier si là. Corps victime, yo maman, yo femme haïtienne, avec quatre timouni qui gagne entre 9 mois, 10 l'année, yo découvre yo lundi soir dans domicile familial. La papa qui était activement recherché par force l'audio, ben, li interpellé dans ses vrais puis placé en garde à vue. Yo sen crime, yo très grande violence, corps sans vie, maman ça, qui avec quatre jeunes timouni découvrent dans un appartement, dans Meyo, Sen et Man, lundi soir. D'après procureur Mioa, Jean-Baptiste Bladier, dans la nuit à lundi pour l'ouvrir, Ayamadien, d'après information qui confirmée sous site Actu 17. Activement recherché par force l'audio, par famille, ça a 33 l'année, il a été appelé mardi matin dans Sivrin, pendant confiance pour la presse qui était bail hier matin bien bonnet, procureur l'a confirmé un placement garde à vue. L'idée crie aux scènes qui ont gagné une très grande violence, la caille famille à côté quoi, ils ont été joignés. Pour qu'on y a la hospitalisé à cause de blessures dans mes lits, une information judiciaire pour homicide volontaire sur yon timoun 15 l'année et puis homicide volontaire par conjoint de l'ouvri dans l'idée pour que et puis en fait garde à vue papa d'après un procureur. Pour deux crimes, ça y a peine maximale là, c'est réclusion criminelle à perpétuité d'après Jean-Baptiste Bladier. Jour Noël vers 21h était découvert dans appartement après à l'être tibaye par proche yo qui était inquiété, absence réponse occupant lieu ça, cadavre 5 monde. D'après procureur Jean-Baptiste Bladier qui fait qu'on est à Yamadi matin en communiqué pour la presse. C'est une maman famille avec Timounio qui a 10 ans, 7 ans, 4 ans, 9 mois. Yo sous proche dossier a déclaré maman qui était 35 ans avec Timounio, yo assassiné yo avec coup de couteau. Procureur l'a précisé à Yamadi quoi maman famille avec deux filles. Entre 10 et 7 l'année présenté en pile gros coup couteau tant coup devant visage et derrière visage derrière tête membre inférieur puis supérieur puis légion défense garçon 4 l'année avec un bébé 9 mois pas présenté eux-mêmes plaie apparente mais puis cela évoqué dans stade ça yon noyade tant que noyé yon ta noyé ou bien yon ta tout fait de timoun sa yo toujours d'après information procureur yon autopsie doit déterminer cause décès qui a fait jodi dans institut médico légal à Paris. Si il y a une altération discernement suspect qu'à un moment fait, s'il était prouvé, peine qui encourait à supposer 30 ans réclusion criminelle, d'après ça, il est précisé pendant la conférence de presse. Parce que question santé mentale, papa, famille, il est sous table tout. Il a été déjà porté en 2019 un coup de couteau avec un compagnon homoplate, d'après sa procureur l'a expliqué. Procédure a été classée sans suite au motif état mental déficient. Il était ensuite hospitalisé. Italien en psychiatrie jusqu'à janvier 2020. Là, on a parlé de papa Atimounio. Une expertise a été testée, existence abolition, discernement qui a été mis en cause, suivi depuis 2017 pour troubles dépressifs et psychotiques. Dans le moment arrestation, mardi, un suspect a été fait état mal-être personnel et dépression.